Salut tout le monde les amis, c'est Zork, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Destiny 2 pour nos sessions de Nuit Noire Grand Maître. La deuxième Nuit Noire Grand Maître de cette saison sera pour ma part le Lac des Ténèbres. Donc déjà j'ai pas fait d'intro pour le terrain d'essai, donc cette fois je vais le faire. Donc cette fois je suis donc toujours avec Dunil et Lulu, je pense que toutes les vidéos de Nuit Noire Grand Maître seront avec eux. Ensuite, pour le stuff, alors nous sommes en double arc à Radiance et Titan Fil Obscur, qui je pense c'est clairement la meilleure équipe pour cette Nuit Noire Grand Maître. Honnêtement, je le pense, à part peut-être un petit chasseur fufu à la place d'une source de Radiance, pourquoi pas, mais ça c'est surtout pour le boss de fin, voilà, je pense, hein, honnêtement, je pense. Ensuite, pour au niveau du stuff, alors nous avons tous les trois le tueur de souhait qui fait quand même très mal, hein, ce petit con, malgré le fait qu'on ait l'arbalète, bah, y a un truc où elle a l'avantage, c'est qu'elle a des munitions infinies. Donc ça déjà, ça a quand même un gros avantage. On peut pas vraiment one-shot tout seul les boucliers d'anti-barrière, mais quand on est à deux, ne serait-ce qu'à deux, eh bien on peut les faire quand même très facilement. Donc franchement, ça, il n'y a rien à dire, c'est déjà vraiment excellent. Ensuite, nous avons tous les trois un éclaireur abyssal, donc moi pour ma part c'est le fin de Shelchi, et pour mes deux collègues ce sera l'éclaireur de la cité des rêves en Godroll. Et enfin, en arbre lourde, j'ai pris le règne parce que je n'étais pas serein, parce que ils voulaient faire la strat épée, au final bon, vu que cette vidéo est là, eh bien ça a marché, hein. Ils ont pris la fameuse guillotine actionnée Godroll, tandis que moi j'ai pris le règne histoire de quand même faire un peu de dégâts au boss, mais c'est surtout pour niquer le plus facilement possible les batteurs qu'il y a au niveau du barrage, comme ça au moins nous sommes beaucoup moins embêtés par les batteurs et on avance beaucoup plus facilement et rapidement. Donc voilà, cette nuit noire qui est quand même relativement simple quand on a le bon stuff et la bonne équipe et qu'on fait pas n'importe quoi, hein, bien évidemment. Mais franchement, ça va. C'est quand même pas un assaut qui est non plus horrible, même si elle a sa difficulté. Mais c'est vraiment passable facilement. Enfin, dernier petit détail, il y aura un ou deux passages que je vais cut parce qu'on ne bougeait plus du tout. On était là plutôt en train d'attendre pour s'assurer justement est-ce qu'on arrive certains passages de la nuit noire, notamment au boss de fin, vous verrez un énorme cut d'au moins 2-3 minutes. Ça c'est normal, c'est pour attendre la source de Radiance, histoire qu'on puisse bien s'assurer la nuit noire grand maître. Parce que hein, faut bien s'assurer quand même d'y arriver, hein, cette nuit noire grand maître à la con. Donc voilà, bref. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, bonne vidéo et ciao tout le monde. Oh, il y a encore lui là. De quoi? Le belge. Il y a le belge? Ouais. J'ai un peu de mal avec lui. Tiens, le backup. Il a pop d'un coup. Putain, les corrompus, j'ai oublié. Oh! Oh, attention! Une petite faille derrière lui. J'ai une boule sur le côté des orques. Le chapeau assorti au truc. Ah bon, non, c'est pas la bonne armure. Là. Vous voyez, pas de quoi s'inquiéter. Ah punaise. C'est rageant quand tu es presque quitté à la fin du boss. Ah oui, ça. On a mis 4 minutes 57, on a été beaucoup plus rapide.
Black Ops. Il n'y a pas d'enfant. J'ai stunt pour pas qu'il vienne nous casser les couilles. Sinon ça va popper en corrompu là. Tiens, t'as la boule au cul? Oh, je lui ai tiré dessus. C'était vraiment. C'était poil de cul. Ah oui. J'ai pas saisi la flèche, elle est touchée en plus. Bon, alors là, monsieur, je vous tire pas mon chapeau. Mais je vais le tirer moi-même. Mais tire-le toi-même, mais moi, je le tire pas. Elle est presque morte la tourelle. Elle est morte. Il y a un autre archer qui a tiré dessus. Non. Pourquoi c'est moi qui prends? On est trois, c'est moi qui prends toutes les batailles. Il y a une boule qui arrive. Parce que moi j'étais bien caché. Voilà pourquoi. Toi t'étais pas très très bien caché. Je vais être mon super. Je m'en vais dans le... Pour casser les feux. Voilà, tu peux y aller. Reste. T'as pas l'anti-barrière à droite là? Ouais. On fait après ou on fait maintenant? Après. Après. Ouais, après, après. C'est mieux, puisqu'avec tous les chiens qui vont nous foncer dessus, les gladiateurs là. Machete, attention machete. Il est lourd. Reste un machete à droite. Ouais, je vois. Ah, il y en a un à gauche aussi. Il y en a un autre qui arrive en rouge. Oh bah viens là, mon petit pari. Toi t'as les chats, Lulu? Ah ouais. Touché. Quand on donne un coup.
des vrimes. Ah, sérieux, je suis planqué, ça rebondit contre le mur, c'est abusé. Oh, mais si, il a eu un bug, le boss. Il est descendu d'un coup comme s'il n'y avait plus de gravité, tu vois, blanc. Pas la bise là. Oh, fils de pute. Ah, oh, j'ai vu la première boule, mais j'ai pas vu la deuxième. On m'a défoncé la gueule. J'en ai eu une. Je suis derrière. Donc... La deuxième, j'ai presque plus de vie. J'ai eu. Je vous remercie. Il tire sur vous. Des mules. Une boule de moins là-bas, celle qui était derrière lui. Deux de moins. Celle qui est là-bas. Celle au fond. C'est bon, elle est morte. On voit les boules. Grosse boule de lui. Prêtresse, je la vois aller de ton côté, Lulu. Elle est presque morte. Elle est morte. C'est bon, il est mort. C'est bon. 52 esclaves. Pareil, hein, j'utilise mon super au même endroit que, qu'avant. Yep. Putain, je suis en retard. Hein. Est-ce l'orange, attention. Comme d'ailleurs lui. Oh, j'ai mis une grenade. Allez,
Ouais, non, mais ça aura plus rien, j'ai plus l'eau. Vas-y, en grenade. J'ai pris l'habitude. C'est bien, je suis fier de toi. Toujours régénère. Nade. Non. Ah, oh, j'avais pas l'esquive. Putain. Je suis là, point de vue. Je donne un coup de main à monsieur. Chut. C'est un petit barrière. Aïe. Oh, je croyais que t'étais mort, c'était un merde. Moi aussi. J'ai cru. Ah, par contre, ça va être plus compliqué pour les. Ça va être plus chiant pour les. Ouais, pour les batteurs, mais j'ai gardé les. J'ai gardé une lourde exploit. Ah, ouais, d'accord. Le premier, bon, on fait comme d'habitude, tu vois, mais le deuxième, ça va aller facilement. On l'appelle le porc épic dans le métier, celui-là. Allez, attention. Il dit quand il arrive. Non, au bruit. Il est là. Un de moins. T'as une faille du dieu à mettre là, juste à l'entrée? Non, je l'ai mis juste avant. J'ai mon super. Oh non. Oh bah si, on s'en fout, ça va repop, hein, parce qu'on s'en branle. Oh! Un titan volant. Ouais. C'est bon, le truc est mort. Pourquoi ça passe pas à travers son bouclier là, putain de lui là? Parce que quand il le déclenche comme ça, ça passe pas à travers, j'ai remarqué. Ouais? Ouais. Oh, l'option quasi fait là? Où? T'as quoi? Je vais me mettre dans mon coin pour niquer le batteur. Tant qu'il passe lui, le bâtard. Il vient me niquer la gueule encore. Hein? Oui, faut que j'attende qu'il arrête de bouger. Mais... Oh non! C'était au dudu. Attends, attends, là il va me tirer dessus. Là. Ouais, il tire. Oh, c'est abusé. Bon. Où c'est que je suis en plus? Comment il est venu? Je lui tirais pas dessus, rien, j'ai pas fait de bruit, j'étais en boule. Je l'ai eu. Oh putain! Non, t'es pas mal. Il restait une roquette. Non, non, on peut le tuer. Tire dessus, il fait le taf quand même. C'est incroyable. 5000 par tête. Regarde, la vitesse, on descend. C'est jaune. On fait pas très loin de la façon de loin. Pas marché. Je crois qu'il reste un jaune. Hein. Collé. C'est mort. Il en reste un.
Très bien. Je m'en doutais. Tu m'as pris le téléphone là. Ah, il y a l'incendiaire aussi caché sur la droite. Une partie, Stan machin a commencé une partie. Papy là il m'a dit qu'il était en orbite, je lui dis on finit à GM, on arrive. Non! Ah bah tu es reculé. Tombé dans le vide? Ouais, non mais j'ai fait une esquive, mais l'esquive en fait je l'ai mal faite et j'ai tapé dans la rambarde en fait. Si j'avais rien fait, je serais pas mort. J'ai fait du caca. Si tu bouges pas mon pote, ça va être impeccable pour moi. Si tu bouges pas, j'ai dit. Bah, j'ai vu. J'en ai marre de ma console qui souffle. Oh, attendez, lancez pas. Je vais juste mettre la manette à charger. 200 taquets. Impeccable. 200 taquets dans ta tronche. Allez. Yep. On est bon, attends, du dieu. J'ai pris une petite lap de garage. Je mets la radiance en premier. Ok. Allez, hop, c'est parti. Je vais attendre qu'il se tourne un peu parce que c'est bon que ça passe comme tout à l'heure là. Putain, allez. Ah voilà, ça y est. Seconde la radiance. On va la remettre tout de suite, hein, on va pas prendre de risque. Par contre, j'espère que je pourrais le perturber, aller vite les barricades, c'est bon. Attends, je m'occupe des putains de hugs hein, qui font chier, pardon, hein, je suis désolé, je tire plus dessus. Oh merde. Ça l'a pas enlacé. Bon. Non, critique, non, critique, non, critique. Attention les yeux, attention les yeux. C'est bon. T'as pas assuré là. Si, si, j'étais très bien, t'inquiète pas. Ouais, mais. Oh, je l'ai collé. Oh, je l'ai collé, j'ai. Tu l'as vu comment il est parti. Eh, t'as fait, tu l'as lifté la truc. Et liftage de la boule. Et hop. Toi, tu joues au bowling comme moi. Toi, tu joues en backup, c'est-à-dire que. Elle est de droite vers la gauche. La boule. Moi, je fais pareil avec les grenades et je t'emmerde. Ah bon, d'accord, monsieur. Allez, je croise mes petits doigts. J'ai pas encore la radiance, hein. Pas non plus, hein. On va attendre, hein. On va pas descendre comme des sauvages, hein. On va attendre que c'est qu'on ait les deux radiances. On tue pas tout le monde, hein, parce que il suffit que ça lance, ça déclenche une espèce de pop de compte à rebours à la con, là. Ah, laisse-moi le, comme à la droite. Ah. C'est bon, j'ai la radiance. Pas bon, hein. Toi, tu l'as pas? Ah non, non, j'en suis super loin. Ah, mais là, je suis même pas au début du début de la radiance. Là. Début de la radiance? Oui, tu sais, la petite faille. Descendez pas, descendez pas, descendez pas. Les orbes que tu vas poser, ça va être bonnard.
On se met au milieu, hein, comme d'habitude. Hein. Là, on se la paie à... Juste prendre les orbes que vous allez faire avec votre alliance. Il va jouer avec les grenades du jeu. Ouais, je sais. Oh putain. Radiance, radiance, radiance. Ouais, j'ai jamais, laisse-moi le temps d'arrêter de taper. Et ben voilà. Tu vois l'épée, ça. Épée, quoi. Ouais. Tu fais chier pour rien. Ouais. Bah écoute, maintenant on joue. Ouais. GG. Je te bats tous.